le candidat de l'ANC à la présidentielle du 22 février 2020 a déposé deux recours à la Cour de justice de la CEDEAO. Et bien avant cela, le candidat Jean-Pierre Fabre a saisi la Cour constitutionnelle du Togo de trois requêtes en invalidation de la candidature de M. Fogne Assimbé à la présidentielle de 2020. La Cour de justice de la CEDEAO vient de statuer sur une requête. La requête en invalidation, sur l'illégalité de la composition de la Cour constitutionnelle. Parce que vous comprenez que si la Cour constitutionnelle est illégale, tous les actes qu'elle pose sont illégaux. Vous avez bien vu où je voulais en venir. La Cour vient de statuer. Elle a dit qu'elle est compétente pour juger de la requête, de la saisie, mais elle dit aussi que la requête est irrecevable parce que le requérant Jean-Pierre Fabre n'a pas produit la preuve de ce qu'il est directement et personnellement victime de la situation. Ce dont je m'étonne, parce que en dehors de ma personne, les populations, toutes les populations togolaises sont victimes de la situation, y compris moi-même. La fraude électorale qui empêche le peuple togolais de se choisir les dirigeants qu'il veut touche également le candidat, tous les candidats. Donc, nous sommes surpris par la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Bon, malheureusement, comme pour la Cour constitutionnelle du Togo, la décision est insusceptible de recours. Donc, là, on ne peut rien faire. Mais il faut que ça soit clair pour l'opinion nationale que les arguments que nous produisons sont des arguments sérieux et qu'on ne va pas s'arrêter à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour constitutionnelle est jusqu'à présent du Togo, est jusqu'à présent dans sa composition incomplète et irrégulière. Donc, il est clair que tous les actes qu'elle a posés sont des actes illégaux, en partant de la validation des candidatures jusqu'à la proclamation des résultats et même les recours, la réception de la prestation de serment. Tout ça, c'est illégal, parce que la Cour constitutionnelle du Togo est dans une composition incomplète. Elle peut s'inventer ce qu'elle appelle un quorum de service, mais ça n'existe nulle part. Si vous n'avez pas le quorum, vous n'avez pas le quorum. Vous ne pouvez pas dire, j'ai pris des dispositions pour inventer un quorum, et que comme je suis la Cour constitutionnelle du Togo, parce que la Cour constitutionnelle du Togo dit cette décision vaut loi, je crois. Elle est incomplète. Mais c'est-à-dire que nous avons laissé la Cour faire ce qu'elle veut dans sa composition incomplète, dans sa composition illégale. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Seul quelqu'un se démenait. Malheureusement, au lieu qu'il soit soutenu, il était traité de traître.